Odette? Oui? Odette, où es-tu? Mais tu es toute seule. Qu'est-ce que tu fais? Tu dessines. Oh, c'est joli ce que tu dessines. Tu aimes ça, dessiner? Ah oui, j'adore ça. C'est bien, je vois. Dis-moi, qu'est-ce que tu as grandi ces derniers temps? Ça te fait quel âge? 8 ans. 8 ans? Oh, qu'est-ce que tu es jolie, ma chérie. Qu'est-ce que tu es belle. Merci. Tu as des cheveux magnifiques. Merci. Tu sais, moi, j'aurais bien voulu avoir une petite fille comme toi, avec qui j'aurais pu raconter des histoires, jouer, tout ça. Tu parles. J'ai 3 garçons, ils n'arrêtent pas de penser qu'au foot. Et tu sais, Odette, je voudrais te demander quelque chose, mais j'ose pas. Ah bah si, Gilbert, vas-y, demande-moi. Non, je t'assure, c'est con et... Mais si, demande-moi, je t'en prie. Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi? Oh oui, en plus, j'en ai plein. Chut. Tu sais ce qui serait super, Odette? Ça serait que moi, je fasse la petite fille. Et puis toi, tu pourrais faire la poupée. Hein? Comme ça, je pourrais te coiffer, te maquiller, te mettre une jolie robe. Oh, ça serait marrant, ça, hein? Oui, pourquoi pas? Mais attention, Odette. Il faut le dire à personne que Gilbert, il joue à la poupée. Tu imagines la honte, quoi? Mais Gilbert, il joue à la poupée. Il joue à la poupée. Ah bah, c'est sûr que la poupée, c'est pas vraiment pour les garçons. Mais tu as raison, quoi. Dis-moi, c'est ta salle de bain là-bas? Oui. Et elle ferme à clé? Alors tu sais quoi, on va aller dans ta salle de bain. Mais attention, il faut le dire à personne. Parce que moi, je viens jouer avec toi pour toi.